Prince Harry, le mari de Meghan Markle attaqué par un Trump, mais pas celui qu'on attendait. Lors de la visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni en 2019, l'ancien président et sa femme Melania Trump avaient été reçus par la famille royale, illustrant ainsi les liens cordiaux entre les deux familles à cette époque. Cette relation privilégiée avec la monarchie britannique contraste avec l'image qu'un Trump, mais pas celui qu'on croit, donne du prince Harry, qu'il compare à un mouton noir ayant perdu la tête, rapporte Sky News. Un Trump ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de commenter le couple Sussex. Un des fils de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a récemment exprimé des opinions tranchées sur le couple royal, en particulier sur la popularité de Meghan Markle, 43 ans. En parallèle, il évoque la possibilité d'une révision du visa du prince Harry si son père était réélu, ce qui soulève des questions quant à l'avenir du duc de Sussex aux États-Unis. Selon le fils de Donald Trump, Eric Trump, personne ne se soucie du prince Harry ou de son épouse Meghan Markle aux États-Unis. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte où la popularité du prince Harry et de Meghan Markle aux États-Unis est en déclin, notamment depuis la publication des mémoires de Harry, Spare, en 2023. Cet ouvrage met en lumière certains aspects controversés de la vie privée du duc de Sussex. Il inclut également ses expériences de consommation de drogue. Cela a suscité des interrogations quant au statut d'immigration du mari de Meghan Markle dans un pays aux lois anti-drogue strictes, mentionne Sky News du 30 octobre 2024. Ses aveux, notamment en matière de consommation de substances illicites, ont conduit à un examen du statut de son visa. Eric Trump a minimisé l'importance de ces révélations en disant « Cela ne veut rien dire. Cette indifférence pourrait refléter le sentiment de certains Américains qui, selon Eric Trump, se désintéressent du couple Sussex. » Eric Trump a mentionné qu'un retour de son père Donald Trump au pouvoir pourrait avoir des conséquences sur le statut de visa du duc de Sussex. En mars dernier, l'ancien président américain avait suggéré qu'une expulsion du prince Harry, 40 ans, pourrait être envisagée si des irrégularités étaient découvertes dans sa demande de visa. En effet, la consommation de drogue avouée par Harry pourrait poser problème, bien que les documents précis concernant son visa restent secrets. En septembre 2024, un juge américain a décidé que les informations de visa de l'époux de Meghan Markle resteraient confidentielles. Malgré les efforts de la Heritage Foundation pour obtenir leur publication, selon Sky News, ce groupe de réflexion conservateur a engagé des démarches judiciaires. Alléguant que des traitements de faveur seraient accordés aux personnalités influentes. Cependant, la décision du juge reflète une volonté de respecter la vie privée de Harry. Malgré la pression publique pour obtenir des détails sur son statut d'immigration,